Bonjour à tous, mon nom est Clémence et vous êtes à l'écoute du balado de Ça marche doc. Nous sommes un organisme dont la mission est d'inciter au verdissement urbain et à la mobilité durable pour protéger la santé physique et mentale de la population, lutter contre les changements climatiques et ainsi diminuer les coûts en santé. Ce printemps, nous vous offrons une série de balados portant sur différents sujets ayant un lien avec la santé, l'aménagement et l'environnement. Cette semaine, en plus de deux courtes chroniques faites par Isabelle Vaillancourt, directrice de Ça marche doc, et moi-même, nous vous présentons une discussion sur l'aménagement urbain et l'activité physique entre Stéphanie Leblanc, externe en médecine, et notre propre directrice, Isabelle Vaillancourt. Donc, c'est sûr que la pandémie a entraîné beaucoup de restrictions dans notre vie quotidienne et de bouleversements. On ne se le cachera pas dans la dernière année, dont notamment, en fait, la fermeture de toutes les installations sportives, même les parcs à un certain moment, les terrains de jeu, puis les sports chez les jeunes. Fait que c'est sûr que ça a diminué beaucoup la pratique d'activité physique chez monsieur, madame, tout le monde. Puis, associé à ça, c'est sûr qu'on a vu un changement dans la population en termes de problèmes de santé mentale. Pour plusieurs raisons, mais entre autres, c'est sûr que diminuer toutes les activités, dont les activités sportives, c'est sûr que ça peut contribuer à l'augmentation des problèmes de santé mentale chez monsieur, madame, tout le monde. Dans le fond, c'est sûr que, il y a plusieurs bénéfices qui sont associés avec l'activité physique qu'on connaît, qu'on entend parler, les bénéfices cardiovasculaires, sur la santé au niveau des gens qui ont le diabète ou qui sont prédiabétiques, la tension artérielle et tout. Mais il y a également un gros à part qui est au niveau de la santé psychologique. Puis, dans le fond, j'étais intéressée de lire, il y a un sondage qui a été fait chez plus de 1 000 Canadiens et Canadiennes cette année durant la pandémie qui a démontré en fait que les gens qui consacraient plus de temps à l'activité physique en plein air présentaient moins d'anxiété durant la pandémie que ceux qui participaient plus à des activités à l'intérieur. C'était quand même intéressant de voir que même chez notre population canadienne, c'est important d'aller dehors pour faire la pratique d'activité physique et même en temps de pandémie, ça a des bienfaits. J'aimerais ça, moi, vous entendre, Stéphanie, parce que nous, à Ça marche doc, moi, évidemment, je suis une observatrice extérieure. Là, je les connais, les dossiers, mais j'ai pas, je suis ni médecin et je ne suis pas aménagiste non plus. Mais le docteur Poirier, qui est porte-parole de Ça marche doc, il nous parlait beaucoup de la sédentarité. Il nous disait que les gens qui recevaient dans son bureau actuellement, c'était comme des gens qui revenaient de croisière. C'est-à-dire qu'ils avaient été en croisière comme pendant 2 semaines, puis là, après ça, un peu de surpoids, beaucoup de sédentarité. J'imagine que ça aussi, ça a une incidence, la sédentarité en temps actuellement là, dans nos vies. Oui, c'est sûr qu'on a vu quand même un changement en termes locaux de la population. Il y a beaucoup plus de gens qui ont pris du poids, que leur santé s'est détériorée. On en voit que, dans le fond, ils avaient pris des bonnes habitudes de vie, puis là, c'est sûr qu'ils les ont perdues. Ou même en réadaptation, quand ça a été coupé, il y a une partie de la population qui est en réadapte, qui n'a pas pu suivre, dans le fond, le plan qui était prévu. Fait que c'est sûr que ça a un impact négatif sur leur pratique d'activité physique. Puis après ça, la sédentarité à long terme, c'est sûr que ça a des effets néfastes sur la santé, l'incidence de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'hypertension, même de dyslipidémie. Donc, c'est sûr qu'à long terme, le fait d'être sédentaire durant cette pandémie-là, n'importe quand, en fait, va avoir des impacts à plus long terme. Vous aviez parlé aussi de ce que ça fait comme le fait de sortir, le fait pas juste d'aller à l'extérieur, mais de sortir de chez soi. J'imagine que ça aussi, pour le stress, puis le fait de rencontrer d'autres gens, même si on ne leur parle pas nécessairement à tout près, ça peut avoir une incidence aussi sur notre santé mentale, j'imagine. Mais c'est sûr qu'on est des êtres sociaux, donc oui, on aime ça, voir des gens, puis être isolé chez soi. C'est pas bon pour le moral, c'est pas bon pour la santé mentale, c'est pas bon pour une panoplie d'éléments. Donc, c'est sûr qu'aller sortir dehors puis justement voir des gens, voir des sourires, ne serait-ce que dire allô à quelqu'un, ça a un effet bénéfique sur la santé mentale des gens. Ça permet justement de reconnecter avec la nature, mais avec les gens aussi. Donc, ça, c'est démontré, c'est connu que ça réduit le stress, l'anxiété, même chez nos jeunes, ça réduit les symptômes dépressifs chez les jeunes qu'on voit de plus en plus, en fait, depuis le début de la pandémie. Donc, ça a un impact, non pas chez monsieur, madame, tout le monde, mais nos jeunes en sont beaucoup touchés. Puis, c'est important de les envoyer dehors aussi pour qu'il y ait ces bénéfices-là. Vous envoyez des jeunes, est-ce que sont particulièrement impactés par cette pandémie-là actuellement? On voit de plus en plus de problèmes, ce qu'on dit, d'anxiété, de,
de somatisation. Les jeunes, ils expriment de l'anxiété. On en voit de plus en plus en clinique. Puis ça, l'activité physique, en tout cas, les aide aussi, j'imagine. Il y a le fait de sortir, mais aussi l'activité en soi qui. Oui, il y en a beaucoup que c'était aussi leur moyen de justement garder un certain équilibre, puis réduire leur anxiété, de participer à des différents sports, de l'activité physique avec d'autres personnes, d'aller dehors, d'aller jouer. Donc, de couper ça d'un coup, ben, c'est sûr que ça a un impact sur leur vie actuelle, puis donc, on voit plus de symptômes dépressifs, de difficultés avec le sommeil. C'est sûr que ça a un impact. On parlait beaucoup d'architecture biophilique à Saint-Marche-d'Oc, c'est-à-dire c'est une architecture qui est beaucoup en lien avec l'extérieur, c'est-à-dire que d'avoir des fenêtres, d'avoir la possibilité d'avoir des beaux endroits pour étudier, d'avoir par exemple des vues sur un parc avec de la verdure, ça aidait beaucoup le moral. Fait qu'on peut imaginer qu'en temps de pandémie, ça doit être encore plus important, surtout que les enfants, les jeunes ne doivent pas nécessairement être toujours organisé dans des endroits où l'architecture est très présente. Fait que d'où l'importance encore plus de sortir plus, hein. J'imagine qu'il faut se botter derrière des fois un peu pour ce petit coup de pouce-là, là, dans nos vies. En effet, surtout avec, comme par exemple, l'école à la maison, quand on va à l'école, ben on n'a pas le choix, on sort dehors pour se rendre à l'école. L'école à la maison, ben ça fait que les enfants peuvent passer une journée à faire toutes leurs activités devant un écran sans sortir. Donc là, à ce moment-là, ben on amplifie d'autant plus l'impact négatif, en fait, de la sédentarité, puis le fait d'être enfermé entre quatre murs, sans voir si on veut la lumière du jour. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est encore plus important de le mettre à l'horaire, puis de se forcer à sortir dehors. Parce qu'il n'est pas planifié, justement. Idéalement, on devrait faire combien d'activités physiques, comme par exemple par semaine, là? Ben c'est sûr que les recommandations sont divisées en fonction adultes et enfants. Chez les adultes, on recommande 150 minutes d'activité physique, qu'on dit intensité modérée par semaine, ou encore vers 75 minutes d'activité physique, qu'on dit vigoureuse, pour les adultes, alors que les enfants, ben, eux, devraient pratiquer au moins 60 minutes par jour d'activité physique. Ce qui est difficile en temps de pandémie, mais c'est vraiment pour leur développement moteur, c'est ce qui est recommandé. Fait que quand on pousse nos enfants pour dire, ben là, ce midi, vous sortez, puis à la fin, c'est parce que je regarde, moi, d'habitude, là, tu sais, quand on fait un nombre de pas, si le matin, je m'en vais à mon école, je m'en vais à mon bureau, je prends le transport en commun, ben ça me fait faire des pas. Tandis que si mon bureau, il est à la maison, je vais pas loin. L'école est aussi ici. Fait que le défi est encore plus grand, là, actuellement, là. En effet, le défi est plus grand, mais c'est encore toujours aussi important de rencontrer ces recommandations-là. Mais déjà dans la vie, si on veut, normale avant la pandémie, c'était quand même un beau défi de rencontrer les recommandations pour plusieurs personnes. Là, c'est encore une plus grosse marche. Mais au moins en commencer par des petits défis, en tout cas, je pense que c'est un peu ça la clé aussi, là. Oui. Quand on dit que c'est mieux faire quelques minutes que pas du tout, c'est vrai parce qu'on se rapproche, je veux pas, un peu du but et des recommandations éventuellement. Donc, c'est sûr que si on veut être actif dans nos villes, bien, ça prend des aménagements qui nous permettent de l'être. À Saint-Marche-d'Oc, on se plaît toujours à dire qu'il y a deux grandes catégories d'aménagement des villes qui nous permettent de demeurer actifs, mais qui sont aussi qui sont bons pour notre santé, en fait, et nous permettent aussi d'être en santé. On les divise en deux grandes catégories. Des fois, on en met une troisième, là, qui est le verdissement. Le verdissement, par exemple, par des parcs, par plus d'arbres, ça, évidemment, ça nous permet de lutter contre la pollution atmosphérique, qui est évidemment bonne pour notre santé, mais aussi tout le volet mobilité durable, c'est-à-dire encourager la mobilité durable, par exemple, plus de marches, le vélo, le transport en commun. Donc, ça nous permet, en fait, d'améliorer la qualité de l'air, mais aussi, ça nous permet d'être plus actifs. Évidemment, c'est les deux grands bénéfices là, qu'on parle à Saint-Marche-d'Oc, mais ça, de ces deux grands bénéfices-là, évidemment, il découle plusieurs autres bénéfices qu'on pourrait parler pendant des heures, là, par exemple, tout ce qui est, je vous dirais, on en a parlé tantôt, l'apaisement psychologique, hein,
tout ce qui est le stress, ça diminue le stress, ça nous permet une meilleure concentration chez les jeunes, chez les moins jeunes. Il y a aussi l'incitation, bon, on l'a vu, à l'activité physique, la diminution de la pollution atmosphérique. Et il y a tout le volet, on l'a vu tout à l'heure, interaction sociale, la lutte aux inégalités sociales, l'isolement. Il y a beaucoup de gens qui ne sortiraient pas de chez eux s'il n'y avait pas accès à des parcs, s'il n'y avait pas le transport en commun. S'il n'y avait pas des bancs sur les artères commerciales. Donc, ça, c'est des volets qui sont vraiment, vraiment importants pour sa marge doc. Et aussi, ben, je vous dirais que dernier volet qui n'est pas négligeable non plus, c'est toute la climatisation des villes, la lutte au changement climatique, les îlots de chaleur, c'est très, très important. Puis tous ces sujets-là qui étaient importants avant, ça a été comme exacerbé par la pandémie, c'est-à-dire que les inégalités sociales sont comme plus évidentes depuis qu'il y a la pandémie. Là, on voit que les gens ont de plus en plus besoin d'avoir des parcs. C'est même pas un luxe, c'est les gens, c'est tout le monde fréquente leur parc de quartier. Et ce qu'on se rend compte aussi, c'est que de plus en plus, ben, les gens veulent avoir accès à ces parcs-là, mais aussi des parcs qui sont connectés dans la ville. On a fait, nous, à Saint-Marc-Jacques, un répertoire des différents parcs. Là. C'est surtout les sentiers hivernaux. Parce que là, je me permets une parenthèse, c'est super important actuellement d'avoir accès à ces aménagements-là, que ce soit les parcs, mais aussi les trottoirs, que ce soit les pistes cyclables, d'avoir accès à ces aménagements-là en toute saison, que ce soit l'hiver, que ce soit le printemps. Et là, on se rend compte qu'essayer de trouver une poubelle dans un parc public, comme un banc actuellement, ce n'est pas quelque chose qui est évident. Pas plus non plus que les personnes âgées, quand ils sortent l'hiver, ben, il faut que les trottoirs soient déneigés, il faut que les abris d'autobus soient aussi déneigés parce que les gens ne se sentent pas en sécurité et ils ne sortiront pas. Je vais juste vous donner une statistique. Là, à Copenhague, les pistes cyclables et les trottoirs là, sont déneigés en priorité. La ville a récemment inauguré une première de 13 autoroutes à vélo là, qui compte mettre en place dans les prochaines années. On parle d'un investissement là, d'entre 82 millions et 175 millions. Là. Puis ce qui est intéressant avec ça, c'est que la ville prévoit même épargner là, 600 millions de dollars en soins de santé éventuellement en investissant davantage dans ces infrastructures-là. Donc, vraiment, là, c'est des projets qui sont très intéressants. C'est sûr qu'on sait qu'aller dehors, c'est bon, point, même sans faire d'activité physique pour le bien-être, pour même les réductions des symptômes dépressifs, une réduction du stress, ça c'est connu, même avoir notre vitamine D aussi, même si on est un pays canadien, on peut quand même en avoir un petit peu en dehors. Donc, ça, c'est reconnu. Puis, mais l'autre aspect aussi, c'est la motivation à faire l'activité physique, parce que c'est sûr, se mettre sur un tapis roulant à fixer la même image durant 30 minutes, c'est quand même long, plus long que de dire, ben je vais courir dehors, puis dans le fond, je vois que c'est un environnement qui est dynamique. Donc, ça, la motivation, ça, on le voit beaucoup. Les gens sont beaucoup plus motivés à pratiquer l'activité physique dehors que sur un tapis roulant, que ce soit le vélo ou le tapis roulant. Là. Donc ça, c'est un aspect important parce que c'est sûr que la motivation à l'activité physique, c'est ce qui permet de perdurer en fait la pratique de l'activité physique à long terme et d'avoir les bénéfices qui sont engendrés. Donc, en fait, c'est le gros, c'est sûr que c'est plus favorable d'aller à l'extérieur pour de multiples raisons, mais ceux-là sont les principales que je vois. Encore là, il faut avoir accès à... Moi, je reviens toujours sur une statistique qui était sortie il y a quelques années. C'était sur les propriétaires de chiens qui sortent plus parce que on a justement chacun un chien. C'était les propriétaires de chiens qui sortent plus parce qu'ils ont un chien. Mais chez les propriétaires de chiens qui ne sortaient pas, qu'est-ce qui expliquait le fait qu'ils ne sortaient pas promener leur chien? C'était l'aménagement autour de chez eux. C'est-à-dire que ceux qui ont un chien qui habite, par exemple, près d'une autoroute, ben là, c'est beaucoup plus difficile d'aller promener le chien. Et moi, je le vis beaucoup actuellement. C'est important d'avoir des parcs. Ça peut être des tout petits parcs, ça peut être des grands parcs qui sont connectés. Je pense juste à Vancouver qui a comme objectif de rendre les parcs accessibles à 5 minutes. En fait, ils veulent que les gens, tout le monde à Vancouver reste à 5 minutes d'un parc. Peu importe où tu vas rester à Vancouver, tu vas faire 5 minutes puis tu vas être rendu à un parc, tu vas avoir accès à un parc. Ou par exemple, récemment, il y avait Montréal là, qui annonçait, qui avait dans les cartons de faire un grand parc dans l'ouest de la ville de Montréal qui était 8 fois plus grand que celui du Central Park. Donc, je pense qu'actuellement, là, on se rend compte que c'est important d'avoir des parcs. Puis oui, on est à l'extérieur. Puis oui, ça nous permet de respirer l'air. Puis aussi, ça nous permet
de socialiser, beau temps, mauvais temps, là, qu'on aille un chien ou pas, finalement. Là. Nos deux spécialistes ont aussi eu la gentillesse de nous laisser avec quelques petits conseils. C'est sûr que dans le contexte la COVID, on travaille de plus en plus à la maison. Donc, évidemment, on a réduit notre nombre de pas quotidiens de manière un peu forcée contre nous. Mais c'est sûr qu'il y a différents trucs que vous pouvez faire dans votre quotidien pour améliorer votre santé et favoriser, dans le fond, la pratique d'activité physique. Par exemple, vous mettre des alarmes, vous levez à toutes les 30 minutes pour vous dégourdir les jambes parce que on veut pas, on se lève plus pour aller à la photocopieuse parce qu'on n'a plus de corridor pour le faire. On est chez nous, dans notre bureau, puis on bouge plus vraiment. Donc, le mettre à votre horaire, ben, prendre un peu de temps pour vous, c'est le conseil que j'aurais à donner aux gens. Vraiment planifier des périodes d'activité physique dans l'horaire, puis vous donner rendez-vous avec vous à l'extérieur. C'est une bonne idée, ça, de le mettre à l'agenda. Entre telle heure et telle heure, là, de se forcer à le faire. Puis moi, je dirais aussi que les gens ne pas se décourager parce que ça, c'est une autre chose que le docteur Poirier nous dit souvent. C'est que des fois, là, tu sais, quand on se dit, ah, il faut le faire 5 fois par semaine, 10 000 pas, de commencer, même si c'est 1 000, même si c'est 2 000, même si c'est 100 mètres au début, tu sais, ça fait du bien. Puis on s'ambitionne à un moment donné, puis on voit les bénéfices que ça apporte aussi sur le sommeil, hein, tu sais, je veux dire, d'avoir une bonne qualité de sommeil aussi, là. Fait que moi, là, le petit train va le moins, puis il faut vraiment pas se décourager. Puis je pense que vous allez prendre goût. C'est maintenant l'heure de découvrir un nouveau sentier de marche avec Isabelle Vaillancourt. Bonjour tout le monde. Cette semaine, je vous donne rendez-vous au Parc des Moulins, dans l'arrondissement de Charlebourg à Québec. C'est un parc qui est cher à mon cœur puisqu'il est situé sur le site de l'ancien jardin zoologique où j'ai passé mon enfance. Mais attention, ceux et celles qui sont nostalgiques de l'ancien zoo doivent pas s'attendre à retrouver le parc dans son intégralité. L'endroit a longtemps été inaccessible, en fait, depuis la fermeture du zoo en 2006. Le boisé du Parc des Moulins a rouvert ses portes à la population en 2016, puis les gens ont pu découvrir les nouveaux sentiers. Les habitués vont reconnaître avec plaisir la section est de l'ancien zoo. Et pourquoi des moulins? Bien, parce qu'on y retrouve une longue histoire qui est liée aux 7 moulins qui ont existé sur le site. Ça va de leur construction sous le régime français au dernier moulin en activité qui a été détruit par un incendie en 1921. Ce que j'aime de ce parc-là, c'est qu'il est ouvert à l'année. En hiver, les sentiers du boisé sont damés pour la marche et la raquette et on y retrouve un peu plus de 2 km de sentiers. On peut se promener, profiter du bord de l'eau, des grands arbres, des aménagements paysagers. Il y a même une zone avec des abris et des jeux pour les enfants qui permet les pique-niques en famille. L'accès est facile. En autobus, c'est le métrobus qui va vers Charlebourg. Il y a 2 stationnements qui sont déneigés en hiver et les chiens sont permis, mais en laisse. Alors, pourquoi s'en priver? Bonne marche puis bonne semaine à tous. Profitez bien du printemps. Bye! C'est maintenant l'heure de ma propre chronique dans laquelle je vous donne des trucs pratiques pour vos marches. Comme promis, la semaine passée, je continue ma série de chroniques sur les trucs pour les longues marches de plusieurs heures ou pour les randonnées d'une journée. Plus précisément, aujourd'hui, je vous parle de la nourriture à apporter lors de telles marches. Il faut se dire qu'on doit amener des aliments nourrissants qui nous donnent de l'énergie mais qui ne pèsent pas trop lourd et qui ne prennent pas trop de place. C'est aussi important d'apporter un repas froid, parce qu'un thermos, ça pèse lourd même après avoir mangé son contenu. Personnellement, je suis une fan des cannes de thon avec des pains pita, c'est simple, ça nous remplit le ventre sans être trop lourd. Bien sûr, un sandwich préparé d'avance, des crudités et de l'humus sont toujours des excellents choix. Les collations sont au moins aussi importantes que le dîner. Encore une fois, il faut privilégier les aliments légers qui nous donnent de l'énergie. Et si on peut penser à des fruits et des fruits séchés, des noix, des bartons et même une palette de chocolat. Pour avoir de l'énergie toute la journée, il est important de consommer des glucides pour de l'énergie rapide. On peut trouver ça dans les fruits, dans le pain et si on veut en manger pour déjeuner avant de partir, dans le gruau. Il est d'ailleurs très important de manger un déjeuner nourrissant avant de partir. Pendant la randonnée, on veut aussi manger des matières grasses comme les noix. Cela nous donne beaucoup d'énergie mais prend plus longtemps à arriver que l'énergie des glucides. Une collation ou un dîner contenant les deux est donc idéale. De plus, il faut aussi manger des protéines comme la viande, les œufs et les légumineuses qui aideront à réparer nos muscles après notre marche. Finalement, pour une journée complète, il est important d'amener entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par personne. La semaine prochaine, je vous parle des vêtements à préparer pour une telle marche. C'est déjà presque la fin de la balado-diffusion.
N'oubliez pas de nous envoyer une photo, vidéo ou commentaire sur votre marche afin de participer au tirage des prix de présence. Ça fait maintenant environ 15 minutes que vous marchez, soit l'équivalent d'environ 1500 pas. Si vous marchez 15 minutes de plus, vous en serez à 3000 pas. Il ne vous en restera plus que 7000 afin d'atteindre l'objectif de 10 000 pas conseillé par les médecins. N'oubliez pas d'aller faire de l'activité physique pendant le reste de la semaine, idéalement en atteignant 30 minutes d'activité physique 5 fois dans la semaine. À la semaine prochaine!